Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va voir pas mal de news. Une nouvelle fois dans cette vidéo, il y aura un code caché pour des V-Bucks. Du coup, n'hésitez pas à le récupérer en premier et à le valider sur Epic Games. Du coup, dans cette vidéo, on va voir quelques news. On parlera d'une mise à jour qui va certainement sortir aujourd'hui. À l'heure où je fais la vidéo, elle n'a pas encore été annoncée. Mais logiquement, on est mercredi, donc il y a de grandes chances que cette mise à jour de Noël arrive enfin. Et du coup, avant d'attaquer tout ça, les potes, je vous invite comme d'habitude à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, n'oubliez pas également de me rejoindre sur les réseaux et sur la chaîne secondaire Toto Fortnite, où vous pouvez retrouver les vidéos boutiques où je vous offre des cadeaux. Les conditions sont simples, il faut être abonné aux chaînes, liker les vidéos, etc. Commenter votre pseudo et vous aurez peut-être la chance d'avoir un cadeau dans la boutique. Comme d'habitude, n'oubliez pas le code créateur TOTO, c'est très important, c'est ce qui permet d'organiser de nombreux concours, etc. Donc merci à ceux qui y pensent et puis n'oubliez pas de m'envoyer une petite photo sur les réseaux afin que je puisse vous remercier. Au passage, cette nuit on a eu le droit à un nouveau skin Noël qui a fait son retour, c'est le skin Prunelle, vous le voyez à l'écran. Plutôt stylé, je sais pas ce que vous en pensez, perso je le valide et je l'ai même acheté, du coup n'hésitez pas à l'acheter s'il vous plaît. Bon et pour finir cette longue introduction, je vais encore une fois vous parler de cadeaux, parce qu'après tout ça devrait vous faire plaisir. N'oubliez pas que sur Instagram, je vous en fais gagner un tous les jours, donc venez nombreux et puis n'oubliez pas de participer au premier concours. Tous les tirages au sort auront lieu en même temps à la fin du mois. Bon, pour commencer cette vidéo, on va parler de 3 skins qui ne sont jamais sortis dans la boutique Fortnite et qui pourtant ont été trouvés depuis très longtemps dans les fichiers du jeu. Alors premièrement, on a ce skin Airhead, donc c'est un ballon rouge. On pensait au début qu'il sortirait pour l'événement avec ça, mais au final, la seule fois où on l'a vu dans le jeu, c'était dans le mode creusé. En effet, c'était un des skins qu'il fallait tuer quand on était sur la tyrolienne, pour ceux qui s'en sont rendus compte. Et pourtant, ce skin n'est jamais sorti dans la boutique. Il est censé être au prix de 1500 V-Bucks et je vous vois venir en me disant « Bah, il était peut-être que là pour le mode creusé. » Dans les fichiers du jeu, il y a sa rareté, il y a son prix, etc. etc. Donc à la base, il est censé sortir dans la boutique. Le deuxième skin, c'est celui-ci, Baobros, qui est en fait, pour les anciens, la mascotte de Lucky Landing, une ville qui a fait sa disparition dans le chapitre 2. Ce skin devait lui aussi être à 1500 V-Bucks, et en plus on avait pas mal de style, etc. Et malheureusement, il n'est jamais sorti alors que ça doit faire presque un an qu'il a été trouvé. Et le troisième skin, c'est Shifu, que vous voyez à l'écran. Alors lui, il devait être à 1200 V-Bucks et franchement, je l'adore et j'ai vraiment le seum parce qu'apparemment, il ne sortira pas ou en tout cas pas tout de suite, sinon Epic Games l'aurait déjà fait. À côté de ça, il y a quelques revêtements, quelques sprays, des musiques, tout ça qui ont été trouvés, qui sont toujours dans les fichiers du jeu et qui pourtant ne sont jamais sortis en boutique ou dans des défis. Donc on verra bien comment ça se passera à l'avenir, peut-être que ce sera des récompenses, en tout cas on l'espère, peut-être qu'ils seront dans la boutique, ce serait sympa, mais bon. On verra bien, et puis je voulais juste vous faire ce rappel. Bon ensuite, je vous ai parlé d'une grosse annonce d'Epic Games, ça aura lieu demain pendant les Game Awards, donc demain soir en live. Et du coup, il y a pas mal de théories qui ont été faites concernant l'annonce qui va arriver cette année. Première possibilité, le bloc 2.0. En effet, c'est ce qui avait été annoncé l'année dernière, alors pourquoi pas un nouveau bloc dans la map afin de récompenser les meilleurs créateurs du mode créatif. Deuxième idée, l'annonce de l'arène en duo, ça a été fait avec un article complet il y a quelques jours, mais pourquoi pas nous en reparler avec peut-être d'autres tournois, etc. Troisième possibilité, ils vont peut-être nous parler de contenus supplémentaires concernant les futures mises à jour, des futures armes, des futurs modes, on sait pas, mais peut-être que ce sera simplement du contenu. Quatrième possibilité, qu'ils nous parlent enfin de la saison 2 du chapitre 2. On sait que la saison 1 a été repoussée jusqu'en début février, mais en attendant, il va quand même falloir nous donner du contenu, des choses à débloquer, etc. Sinon, on va vite s'ennuyer, donc peut-être qu'ils vont déjà nous teaser quelques infos sur la saison 2. Et dernière possibilité, une annonce qui ferait énormément de bruit, l'annonce de la Coupe du Monde 2020. Pour l'instant, on n'a eu aucune info, mais c'est logique, ça devrait se produire, donc pourquoi pas nous teaser déjà quelques infos. Du coup, si vous avez des théories, vous aussi, par rapport à cette annonce spéciale qui est censée faire Epic Games demain, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. En tout cas, je pense qu'il y aura quelque chose de très très lourd, vu le petit teasing qu'ils ont fait autour de ça. Sinon, comme je vous le disais, aujourd'hui, on aura peut-être une mise à jour. Je peux pas encore vous confirmer ça, puisque je fais la vidéo en avance.
mais dans cette mise à jour, il y aura certainement des cadeaux de Noël sur Fortnite. Des récompenses, ça peut être des objets, de la musique, enfin, il y a plein de choses à débloquer dans le jeu. Et du coup, les potes, dites-moi en commentaire ce qui vous ferait le plus plaisir. Je sais que la plupart vont dire des skins, mais voilà, il y aura peut-être d'autres choses, donc n'hésitez pas à être imaginatif, on va dire, en commentaire. Bon et sinon les potes, qu'est-ce que vous penseriez d'un nouvel événement pour le nouvel an ? L'année dernière on avait eu le droit à un feu d'artifice qui était plutôt pas mal, bon après il s'était produit toutes les heures pour que ce soit logique dans tous les pays en gros, mais voilà, pourquoi pas un nouvel événement pour la fin d'année avec peut-être plus de déco, plus d'ambiance, etc. Bon et pour finir, petite piqûre de rappel, n'oubliez pas qu'un gros événement se prépare à Risky Reels, ça aura lieu samedi 14 décembre à 20h, ce sera la diffusion exclusive d'une scène du prochain film Star Wars qui lui sort le 18 décembre. Donc ne manquez pas ça les potes, ce sera un gros événement, il y aura peut-être même des récompenses à la clé pour ceux qui y assistent, etc. Voilà, on aura sûrement plus d'infos après la mise à jour. Bon et du coup, ce qui va se passer, c'est que là on va se retrouver dans un challenge face à Avenger. S'il me bat en bullfight, il gagnera 3000 V-Bucks, sinon bah tant pis, ça lui passera sous le nez. Et si jamais vous êtes intéressé pour passer comme ça en fin de vidéo dans des petits challenges, eh ben n'hésitez pas à me laisser votre pseudo Epic Games en commentaire et puis à faire une petite présentation, votre âge, combien de fois vous jouez, etc. Comme ça, je pourrai sélectionner quelques participants. Sur ce, bon visionnage à tous et puis n'oubliez pas qu'un code de V-Bucks est caché dans la vidéo. Ok les potes, alors là on se retrouve avec Venger qui, je le précise, a changé de manette, a changé ses touches, etc. Du coup, ça va être un peu compliqué pour lui, d'habitude il me bat. Et là, bah on va voir, hein. T'es chaud ou pas ? Ouais, je suis chaud. Ok, bon, si t'es chaud, tant mieux. Du coup, c'est le premier à 5. Bullfight classique. Et puis, bah, c'est parti, t'es prêt ? Vas-y. Let's go. Bon, les gars, toujours aussi éclaté, surtout quand on est en vidéo. Ah ouais, non, attends. Non, c'est pas vrai. T'es pas éclaté. Arrête de mytho. J'ai de la luck. Et ah, je j'ai raté. Une... T'es où ? Attends, en fait... T'as raté mon edit, du coup, j'ai... Faut que je mette le casque normalement, sinon... Voilà. Ok. En vrai, t'as un putain d'aim, gros. Tu mets beaucoup de monde de sang, donc... C'est vrai. Ouah, mais... Ouais, bah attends. Quoi ? Y a des bugs ou... Non, j'en ai pas eu pour l'instant. Je suis juste nul, là. J'ai vraiment oublié de mettre un seul. Ouais, non, mais attends. Bon, les gars, faut vraiment pas prendre ce premier fight au sérieux. En tout cas, de mon côté, parce que là, je fais de la merde. Je sais pas, j'ai l'impression que l'écran, il est loin et tout. T'es où ? Ouais, je suis mort. Ouf. Ah, le obligé, 220. J'étais obligé. Bon, bah ça commence bien, 1-0. Après, j'avoue que là, je joue bizarrement. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'être loin de l'écran. Genre, je sais pas, c'est chelou. Bon, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Allez, let's go pour le deuxième round. Bon, déjà, je me fail pas trop sur les starts parce que d'habitude en vidéo. Ah ouais, t'es parti en fait. Non. Ah ouais. Ah ouais, c'est la vengeance là. Bien joué, un partout. Non, en vrai, j'ai pris cher. Ça fait plaisir, bon. Moins 220. J'avoue. Allez, let's go. Ah non, je suis trop nul à mes starts là. Moi ça va encore, mais... C'est après, genre, je sais pas, la sensi et tout, j'aurais dû m'entraîner avant de faire la vidéo. Oh, bien joué ça. Non. Ouais, j'ai des petits lags. Ah ouais, non, mais je suis trop bête. Oh non. Oh, GG. Tu m'as mis une sale balle. J'ai mis 143 au début. Et toi, tu m'as mis pareil, je crois. Ah là, j'ai eu peur au début. GG. Allez, 2-1. En vrai, jusqu'à la fin, ça peut faire une remontada hein, dans tous les cas. Ok. T'aimes pas mon staff. Hein. Bah surtout quoi que moi je suis nul là. Eh mec, je te jure j'ai des lags. Je pense que c'est parce que je suis en vidéo et... Du coup ah ouais, par moment penses... ça chute. Je sais pas. Ou alors c'est le créa hein, comme d'hab. Eh genre là d'habitude tu passes pas. Je t'ai même pas touché au pompe. J'ai pas de balle, gros. 3-1. En fait j'ai pas précisé mais il y a un code de 3000 V-Bucks en jeu. Je crois que j'ai oublié de le dire. Et ouais, bah, t'as oublié de le dire et je pense que je l'aurai pas dans tous les cas. C'est maintenant que je le dis, t'sais. Oh! Oh, mais non! Oh, mec, là, je suis trop nul là. Et moi, j'ai pas vraiment le sens du jeu donc je suis un peu de la merde. Ouh! Je rappelle mes balles. Ouh!
Ouh. Je peux rien faire, gros. Allez, on va le piocher. Non, j'aurais pas dû. Non, t'aurais pas dû. En plus, il fallait au moins deux coups de pioche. Minimum, c'est sûr. Bien joué. Bon, ça fait 3-2. On a encore l'avantage. Mais voilà, c'est loin d'être fini. Let's go. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que je me suis amélioré. Parce qu'avant, j'étais éclaté. Là, je suis éclaté, mais un peu moins. Sérieux? Ouais. Bah, ça, c'est un 4-2. Hein, je suis désolé. Sérieux? Ah bah, gros, c'est les règles. Hein. Ah, ok. Vas-y. Bah, ça va pas été tué avant. Et ouais, le petit 4-2. Non, mais c'est bon, c'est des règles qu'on invente pour arranger l'organisateur. Ah ouais, t'as pas envie de cracher des bébex. Ouais, voilà. Allez, let's go. Peut-être la dernière round si je gagne, ça fait 4-2 pour le joueur Thomas, attention. Oh, je rate tout. Elle est pas tombée tout en bas, hein. Il est pas encore éliminé. Par contre, ouais, il va se box, là c'est sûr. J'ai 35 HP, gros. Et un aim de merde. Merci pour l'info. Mais attends, mais il est où? C'est moi qui ai dit que les chutes c'était éliminatoire. Right. Exactement. Ok, bah bien joué, ça fait 4-3. Vas-y, finis-moi aussi. Je suis... Bien joué, 4-3. Ah là là. Ça m'a mis la pression quand j'ai su que t'étais box. Ah ouais, t'es bizarre. C'est censé être l'inverse. Hein. En vrai, ouais, mais. Attends, je me charge mon air. Ok, c'est bon? Vas-y. Go. Ouais. Sinon t'auras pas le temps de t'en servir. Ok, j'ai rien dit. Je me fais karma avant même de finir ma phrase. Ouh. Je rate tout. Ah. Ouf. Oh, bien non joué. Pourquoi tu meurs pas sur cette balle? Oh, j'ai des lags. Non. Mais oh là là. T'es où? C'est trop compliqué là. T'as combien d'HP? J'ai 57 HP. Et toi? Moi j'en ai 79. Ah ouais, donc en fait il a l'avantage et c'est moi qui joue aggro. Tu mets des moins 100 en moins avec ton pompe, donc y'a aucun avantage. Non, comment? Mais en moins des moins 30. Comment j'ai loupé ça, mec? J'ai loupé le shoot et j'ai loupé le réédit. Incroyable. C'est bon, que j'ai mis en moins 4-4. Sérieux? Ah ouais, bah ouais, du coup tu m'as même pas one shot en vrai. Non, je vais. Bon. Y'a eu les boutons. Ouais, j'ai oublié. C'est la dernière manche, du coup ça fait 4 partout. Elle est décisive. Bonne chance à toi. Let's go. Toi aussi. Ok les gars, je train. Wow, ça commence mal. Wow, ça commence très mal. Ah, je me coince et tout. Non. Non. Tu m'as fait peur avec ton edit. Non, c'est horrible. C'est horrible. T'as toutes les edits en plus. Oui. C'est horrible ce que je me suis fait. Oh my god, le laser. Pourquoi? En vrai, c'est pas mérité, mais vas-y, c'est mérité quand même. Bien joué quand non, même en vrai. N'importe quoi, niquer des balles dans la tête, c'est pas possible. En vrai, ouais, j'ai mis 2 balles dans la tête, je crois. Ah, chaud. Mais bien joué en vrai. L'important, c'est participer, comme on dit. 5-4. Ouais, c'est ça. Donc, bah, désolé, t'auras pas les V-Bucks. Et puis, bah, pourquoi pas prendre un abonné la prochaine fois. Ah là là, pauvre Avenger. Bien joué quand même.